Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà la réponse de la leçon précédente. Chaque mois, je dépense beaucoup d'argent pour payer le loyer. Chaque mois, je dépense beaucoup d'argent pour payer le loyer. Et avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié, likez la vidéo pour m'encourager. Et si vous êtes prêts, on commence. Voilà la première phrase. لنوضح بعض النقاط. Oui, très bien. Clarifions quelques points. Clarifions quelques points. Ici, on a le verbe clarifier en arabe, yani يوضح. Le verbe est conjugué à l'impératif, le fait المصرف في صيغة الأمر. Quelques points, yani بعض النقاط. Clarifions quelques points. الآن إذا أردت أن أقول هل حدث شيء آخر؟ كيف أعبر عن هذا التساؤل؟ Oui, très bien. Quelque chose d'autre s'est-il passé? Quelque chose d'autre s'est-il passé? Ici, on a le verbe se passer, yani yahdoutho. Quelque chose d'autre s'est-il passé? Une autre phrase. Ati ila huna ala al-aqal marra wahida fi shahr. Tu peux arrêter la vidéo pour réfléchir? Oui, très bien. Je viens ici au moins une fois par mois. Je viens ici au moins une fois par mois. Ici, on a le verbe venir, conjugué au présent. On a la deyna fi'l ya'ti, musarraf fil hadir. Ici, huna, au moins, ala al-aqal, une fois, marra wahida, par mois, fi shahr. Je viens ici au moins une fois par mois. الآن إذا أردت أن أقول عاش حياة صعبة في الخارج يعني خارج بلاده Oui, très bien. Il a vécu une vie difficile à l'étranger. Il a vécu une vie difficile à l'étranger. Il a vécu, ça c'est le verbe vivre, conjugué au passé composé. On a لدينا فعل يعيش مصرف في الماضي المركب. Une vie difficile, يعني حياة صعبة, à l'étranger, في الخارج. Il a vécu une vie difficile à l'étranger. Une autre phrase. هو يشكو من صداع الرأس أو هو يشتكي من صداع الرأس. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il se plaint de maux de tête. Il se plaint de maux de tête. Ici, on a le verbe se plaindre, un verbe de troisième groupe. يعني بالعربية يشتكي عفوا أو يشكو. Le verbe est conjugué au présent. هذا الفعل مركب, un verbe pronominal. Il se plaint de maux de tête. الآن وبما أنه اليوم هو يوم الأربعاء يعني منتصف الأسبوع وأردت أن أقول الوقت يمر بسرعة نحن في منتصف الأسبوع كيف أعبر عن هذه الجملة غالبا ما نقولها؟ نعم Le temps passe vite Nous sommes au milieu de la semaine Le temps passe vite Nous sommes au milieu de la semaine. Le premier verbe, c'est le verbe passé, yani yamorro. Nous sommes, ça c'est le verbe être au présent, au milieu, yani fil muntasaf, de la semaine, yani el usbu. Le temps passe vite, nous sommes au milieu de la semaine. الآن إذا أردت أن أقول إنه كما لو كان بالأمس. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، c'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier.
الآن إذا أردت أن أقول اهتم بشؤونك، oui très bien. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Ici on a le verbe s'occuper. يعني بالعربية يعتني بي أو ينشغل بي. Le verbe est conjugué à l'impératif. الفعل صرف في صيغة الأمر. أما باللغة العامية فإننا نقول occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes oignons. كنا قد رأيناها سابقا إذا تذكرتم. الآن إذا أردت أن أقول لقد تركت الباب مفتوحا، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، tu as laissé la porte ouverte. Tu as laissé la porte ouverte. On a le verbe laisser, يعني يترك، le verbe est conjugué au passé composé. La porte ouverte, الباب مفتوحا. في العربية نقول الباب مفتوح يعني الباب اسم مذكر والنعت يتبع المنعوت مفتوح. أما في الفرنسية نقول la porte ouverte، نضيف e للأدجكتيف ouvert. L'adjectif ouvert un adjectif masculin. Pour les féminins on rajoute le e. La porte ouverte parce que la porte est un nom féminin. Tu as laissé la porte ouverte. الآن إذا أردت أن أقول لا يتحدث أبدا عن حياته الخاصة، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، il ne parle jamais de sa vie privée. Il ne parle jamais de sa vie privée. Il ne parle jamais يعني لا يتحدث أبدا de sa vie privée يعني حياته الخاصة. Privée ça c'est un adjectif. أضفنا هنا e لأن la vie est un nom féminin. Il ne parle jamais de sa vie privée. الآن إذا أردت أن أقول أمي حرمتني من التلفاز، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم، maman m'a privé de la télé. يعني اختصار لي لا تلفزيون. Maman m'a privé de la télé. Ici on a le verbe privé يعني يحرم. Maman m'a privé de la télé. Et la dernière phrase, لقد سئمت من القيام بكل هذا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je suis lassé de faire tout ça. Je suis lassé de faire tout ça. Ici on a le verbe lassé, ça veut dire fatigué physiquement ou moralement, يعني يتعب جسديا أو معنويا. Le synonyme de ce verbe, c'est le verbe ennuyer. Je suis lassé de faire tout ça. يعني بالعربية لقد سئمت أو تعبت. Je suis lassé. Répète avec moi, je suis lassé de faire tout ça. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول هذا ليس ما قصدته. تعني كذلك هذا ليس ما أردت قوله. هذه الجملة كنا قد رأيناها في الدروس السابقة كيف نعبر عنها بالفرنسية. حاولوا أن تكتبوا الإجابات في التعليق. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.